Voilà. On va aller jusqu'à Cannes. Les gars, mettez-moi les cœurs. Kimi, ça va? Oui, papa. Hein, 2 jours là, tu me boudes. Ou bien tu étais fatigué. Elle me boude, hein. Et comment il est, j'ai dit, Allez. mais Kimi, il y a quoi? Il dit, je suis Pourquoi? fatigué. Elle dit, Kimi, oui. Quand tu appelles Kimi, qu'elle répond oui, qu'elle n'a pas dit oui, papa, c'est qu'il y a un problème. Mais ce matin, quand j'ai donné les 280 000 francs, le sourire est revenu. Une mamailleuse. Non, Kimi, tu es belle ce soir. Regarde comme elle est jolie. Non, Axel, reconnaissant, elle a dit, elle est belle, hein? Papa, en plus elle grandit, plus elle devient encore plus jolie. Je t'ai dit. Moi, je suis choqué. C'est mon enfant qui est là, hein? C'est mon enfant. C'est pour moi. Mais papa, c'est pour ça que je vous demande comment vous étiez, dans quelle disposition vous étiez quand vous avez fait Kimi. Pour être sûr que mon enfant soit joli. On ne pose pas la question comme ça. Non, Ça, c'est pour être sûr que papa. c'est une position du capé renversé, roulement, salto, calice, c'est cassé. J'ai travaillé dur pour que cet enfant-là vienne au monde. Tous mes reins me font mal. Vous fuyez par là où? Vous fuyez par là où? Vous fuyez par là où? Vous êtes des enfants? Quittez là-bas. Pour que cet enfant-là vienne au monde? Non. J'ai dit, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Kimi, je ne peux jamais oublier ce jour-là. Le jour où j'ai pleuré pour ma fille. Sa maman lui a donné à téter jusqu'à il n'y a plus de lait dans le sein. Quand le sang est sorti, il dit Camille, c'est le sang qui est sorti. Kimi avait faim, elle est restée petite comme ça, son visage fait comme ça, elle peut me regarder comme ça. Je suis sorti, je pleure. J'ai dit, Dieu, tu ne peux pas m'abandonner, mon enfant. C'est là que Dieu m'a dit, si tu comptes sur moi pour avoir l'argent, je ne vais jamais te donner l'argent. J'ai mis le pouvoir en toi. C'est là que mon esprit a fait tic, que l'esprit de la haute marmaille est quitté du ciel, est tombé sur ma tête. J'ai compris qu'on ne doit plus prier pour un homme riche, on doit faire une cérémonie. Non, je ne priais plus pour les riches. Quand je mets sur le quelqu'un, mon frère, j'avais un petit boubou là, je porte ça, je suis. J'ai dit, est-ce qu'il doit faire offrande? Donc si tu viens comme papa, bonjour tonton, il va te donner 10 000 transports. Je serre mon visage. Même quand tu me donnes une petite révélation, non, je regarde, ça fait 17 femmes. Cette femme qui est là, oui, celle-là. Madame, il y a 3 jours, vous avez vu telle chose. Je dis oui. J'ai dit, il faut faire. J'ai dit, l'offrande passait de 10 000 à 100 000. Quand j'arrive comme ça, mes mains sont chargées. Qui me mange, je paye les comment on appelle ça, les trucs qu'on met dans l'eau là. Elle serait là. Il dit, elle mange, non, vraiment. J'ai souffert pour cet enfant là. Hein.